Bonjour Monsieur Dessert, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Moi je vais bien avec mon petit pull de Disney. Je sais pas si vous allez le voir, mais il est marqué Disney en grand. Hop, le grand C là. Il est trop beau, j'aime bien. Enfin, un grand C. Oui, ça commence déjà mal. J'espère que vous allez bien avec ce confinement qui continue. On espère de pouvoir faire un peu les fêtes avec nos familles. Mais j'ai entendu dire qu'on pourra faire la fête mais avec notre famille, mais pas avec nos amis. Bah, parfois, c'est mieux les amis que la famille. Vous pensez quoi, vous? Dites-moi en commentaire. Bon, sur ce, on va commencer cette vidéo. Et je voulais vous parler de livres que je me suis procuré. Il y a des doutes sur les livres que j'ai déjà présentés sur cette vidéo. Je sais plus si je vous les ai présentés ou pas, mais certains je sais que non, parce que je viens de les avoir, d'autres je ne suis pas sûre. Enfin, soit, c'est pas grave, on va commencer tout de suite avec celle-ci que je vous ai pas encore présentée, ça je suis sûre, qui est ma lecture en cours, qui est Campus Drive Crash Test, chez Hugo Roman dans la collection New Romance de je sais plus son nom. C'est une autre, enfin, une autrice que j'adore. J'ai déjà lu plusieurs livres d'elle et j'aime bien ce qu'elle écrit. Je suis à page 270. Je suis pas loin. Et je sais pas combien il finit. 400 et quelque chose, je crois. 435. Voilà. Ici, on suit trois adolescents qui ont créé Campus Drive, qui est de conduire les étudiants en soirée, hors soirée, un petit peu partout, si je comprends bien l'histoire. C'est eux qui l'ont créé. Et ici, dans ce troisième tome, ils vont devoir trouver trois personnes pour les remplacer l'année prochaine, parce qu'eux, ils sont finis. Et ici, on va suivre Will, parce que les autres, on suit quelqu'un d'autre à chaque fois. C'est un autre étudiant. Ici, on suit Will qui va... le troisième ami, il va devoir retrouver une stagiaire, c'est comme ça qu'ils disent, pour faire apprendre l'application de Campus Drive et trouver des bonnes personnes. Et lui va trouver une jeune femme, mais pour à la base, pour eux, ils veulent pas prendre de femmes parce qu'ils veulent, comme les potes disent, ils veulent un homme pour que s'il y a un truc qui se passe, bagarre ou quoi que ce soit, qu'il puisse avoir de la poigne pour séparer ou quoi que ce soit, quoi. Mais lui, il a trouvé une femme un peu spéciale quand même. J'adore cette femme en plus. Je ne sais plus son nom. Je n'arrive pas à retenir son nom. Pourtant, je l'aime bien. Mais moi, les noms, c'est de... Je vous ai déjà dit les noms. Voilà. Mais tout... En tout cas, j'adore. Et je pense qu'après cette vidéo, je vais continuer ce petit bouquin. Enfin, je vais vite mettre ma machine à sécher. Enfin, soit on passe, parce qu'heureusement, on va passer 3 heures dessus. Après, je me suis procuré 300 expressions bien françaises pour épater la galerie. Revenons à nos moutons. Une recette bonne... La bonne femme, remettre le calendrier préquel et pays russe de l'oncle. C'est toutes des petites citations qui est trop bien faite. Moi j'ai gardé 2-3. Faire le pied gru, qu'est-ce que ça veut dire, où ça vient, pourquoi on dit ça. C'est un livre super sympa. Voilà, bon j'en dirai pas plus. Il est au livre, enfin chez la collection Belgique Loisirs que je me le suis procuré. Voilà. Après, je me suis procuré, ça c'est chez la Fnac. Ce n'est pas si compliqué. Le lit de Laurie Perté au Flammarion. J'avais pas vu que c'était au Flammarion par contre. J'adore juste les quatre petites phrases qui est marquée se lâcher prise, se pardonner, avoir un but, sortir de sa zone de zone de confort et avoir confiance en soi, de se libérer de la culpabilité
papillité. Et l'autre, je ne sais pas parce qu'il y a l'étiquette dessus. Franchement, il me tente vraiment bien aussi. Après, je me suis procuré. Ça, je crois que je vous les ai déjà montrés. Il y en a deux, trois que je crois que je vous ai montré. Mais c'est pas grave. N'oublie pas les chocolats de Tamara Balignac chez Hugo Poche dans la collection New Romance. Si je me rappelle bien, c'est Dev. Enfin, soit n'aime pas Noël et à quelques jours du réveillon, elle a perdu. Attends, non, c'est pas sûr. À chaque année, elle n'aime pas Noël. À chaque année, elle a hâte de que cette période soit terminée. Ouais, elle aime pas Noël du tout. Et oui, elle perd son emploi quelques semaines avant le réveillon. Et son amie, je ne sais plus son nom, Louise, va lui faire aller jouer, enfin, se postuler dans un magasin de jouets. Voilà. Et comme elle aime pas ça, ça va être un peu marrant, je crois. Enfin, ou pas. Un livre un peu moins marrant, c'est Joyeux Suicide et Bonne Année de Sophie de Wilnoise, au livre de poche, à lire d'une traite pour retrouver le sourire. Je ne sais pas si ça va sourire parce que ça parle quand même de suicide, quoi. Je sais que tu fais quoi pour Noël, moi je me suicide. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que ça va être bien. Si j'ai bien compris, elle n'a pas d'enfant, ni de chat, ni de perroquet, et je ne sais plus quoi. Et voilà, est-ce qu'elle va suicider ou pas? Ça doit être un beau livre quand même. Bon, je crois qu'il faut pas le lire quand même dans une période trop bof. Je ne sais pas. Enfin, c'est mon groupe de lecture qui m'a conseillé l'année passée, mais je me suis pas procuré l'année passée. Et ici, il est en livre de poche. Du coup, je me dis pourquoi pas. C'est un petit livre, 200 pages. Il va aller vite, je pense. Voilà. Après, je me suis procuré ici il n'y a pas très longtemps. Neo et Swan. C'est Swan et Neo. Ça tombe mieux. C'est vrai que ça rime mieux. En fait, ils vont. Au moment de publier une vidéo, ils vont être inspirés dans le jeu. Et c'est à nous de l'aider à s'en sortir de cette mauvaise passe, qu'on va dire. Et c'est un livre un peu spécial parce que quand on voit le petit message qui est annoncé, attention, lecture ne doit pas lire ce livre comme un roman. Il a prête à... Voilà. Il faut pas lire comme un roman. Ça... il paraît qu'il faut lire parfois une page, puis l'autre. Je ne sais pas. J'attends. En plus, il est illustré. Il y a des pages avec des dessins. Bon, je vais pas trop vous montrer. Comme il faut lire sans se faire spoiler, comme ils disent. Du coup, voilà. Après, je me suis procuré... Désolée, mais il faut que je tousse. J'ai des trucs qui me calent deux fois. Joyeux Noël et laisse-moi être tranquille, qui est aussi un truc sympa. Et j'aime bien la petite phrase à l'arrière, et je ne lirai que ça. Célèbre sa fête préférée avec celui que nous a brisé le cœur. Et le cœur est le pire. C'est des... le pire des cadeaux. Oui, c'est passé Noël avec son ex. Voilà, ça rend bien aussi. Ah oui, j'ai pas dit. C'est de Olivia Bergi, Mark Harper Collins aux poches. Après, encore un Harper Collins aux poches de Célinia City, L'amour est un dessert qui se mange à deux. Il est beau aussi celui-là, regardez. Je lirai la toute petite phrase qui a l'air chouette aussi et qui me donne très envie. Le seul problème, c'est que les Harper Collins, ils sont tout petits. Ça c'est écrit tout petit. Celle-ci, c'est une comédie romantique.
De Céline. Ouais, je l'ai dit. Si mon cœur était un gâteau, c'est à toi que je donnerais la plus grosse part. À qui elle va donner sa plus grosse part? Quel amoureux! Après, on est presque... On arrive. On a encore, mais ça diminue. Après, on n'oublie pas Noël. Le miracle n'arrive pas qu'au cinéma. Chez... enfin, c'est qui l'a écrit? Manon Carlarja. Hugo Poche. Dans la collection Nous Romance. Il est beau aussi celui-là. Il est un peu spécial. Dans celui-ci, je me rappelle plus. Bénévole pour aider les alimentations de Londres, Elliot est habitant à l'inattendu. Mais c'est la première fois qu'il se retrouve nez à nez avec une star de fruits. Ouais, d'accord. Devant les désirs, il désire détresse, il désire de prendre l'inconnu sous son aile et de lui faire découvrir le monde à l'opposé du sien, loin de la je ne sais plus comment ça, les trucs qu'il faut pas quoi, et des paillettes. Voilà. Cet univers est de faux semble. Il quitte enfin il va avoir un miracle, c'est tout ce que je lis là. Fin de Noël pour le siège bévélant unique. Je ne sais pas, celui-là, quatrième couverture m'embrouille un peu l'esprit. Du coup, je vais pas lire la quatrième couverture. C'est bon. Après, pour le dernier livre Disney, et je suis un peu déçue pour celui-là parce qu'il est tout à mochi, qui est La nuit enneigée de Caster Courbe de Wally Barbe, je ne sais pas son nom, audition Prima. Il est trop beau, regardez. Ici vous voyez pas, mais ça brille de mille feux. Et je suis déçue, je sais pas si vous voyez, la page est toute pliée. Là il est un coup. Ça c'est quand on commande sur Amazon. Voilà. Et il me tentait bien parce qu'il a eu un prix. Là il y a le coin qui est corné. Il a eu un prix de femme actuelle. Voilà, les émotions, des rêves, de l'amour, de recettes, des merveilleux romans. Ça me tente bien. Mais il est gros, hein, il est gros. Je sais pas combien de pages il fait celui-ci. Je sais pas si celui-là je le dirais. Pourtant il me tente bien. Bien sûr, là il y a peu de pages. 500. Cinq cent cinquante-trois pages. Ça fait un beau roman. Voilà. Alors, on va passer... Je vais lire. Prendre celui-là. La griffe de chat. Enfin, c'est deux... comment dire? Deux romans en un. La première, c'est La griffe de chat. Et le deuxième, c'est... Le bleu du chat. De Sophie Chabal. Aux éditions Belgique Loisirs, pour chez moi. Il est trop beau. J'aime bien avec les petits chats. Voilà. Le premier, je ne sais pas. J'ai pas lu les résumés de celui-là. Parce que j'avais pas envie. Moi, le plus, c'était la couverture et les petits chats noirs qui me tentaient bien. Voilà. Moi, quand ça parle de petits chats, j'adore. Du coup, j'ai pas lu le résumé et j'ai pas envie de en lire. Après, celui que je me suis procuré il y a pas très longtemps, qui est un Twisteltale. Celui-là, c'est de... Je ne sais plus c'est qui. Cendrillon. Voilà, il fallait que je trouve.
oser ses rêves, et si Cendrillon n'avait jamais essayé de la pantoufle de verre. Voilà, bon, maintenant que je voulais présenter, hop, ça je retire. Moi, je ne regarde pas les trucs, il est trop beau. Son rose. La couverture de l'autre était plus beau de l'ancien, mais les rééditions sont très beaux aussi. Pour le moment, je ne les ai pas encore lus aucun. Parce que pour le moment, j'attends de les avoir tous. Et un jour, je vais me les refiler. Enfin, à la fois, bien sûr, mais voilà. Pour le moment, je ne les ai pas encore lus. Et il paraît que celui-ci, on peut les lire indépendamment des autres. Que les autres collections, on doit les lire ensemble. Voilà. Pour l'avant-dernier, celui-là aussi. Celui-là, c'est un petit peu à cause d'une youtubeuse que je regarde. Qui est Lune Ardente chez Morgane Gurafle chez Plume Blanche. Oui, tout des traces de doigts. Jamais le soleil ne pourra éclipser la lune. Celui-là, il me tombe bien. En plus, il est trop beau. Regardez. Je sais pas si vous allez voir. Non, il veut pas montrer. C'est pas grave. Et à chaque fois, vous avez des petits loups comme ça. Là, vous l'avez en blanc. Là, vous l'avez en noir. Et alors, vous avez à chaque fois qu'il y a un nouveau chapitre, des petites lunes comme ça. Ici, des petits points, petites lunes. Enfin, soleil et lune. Et il est trop beau. Voilà. Et si je me rappelle bien, c'est un peu de fantastique. Et mon bête est un peu au cornier celui-ci. Parce qu'il vaut quand même 20 balles. Voilà. Depuis la nuit des temps, les sombres lunes et des anges de soleil sont de paires ennuyeuses. Le premier adultère de la lune vive au Estagana. Au pays des glaces, de la neige éternelle, les secondes adorateurs du soleil réservent. Bon, franchement, dans le résumé, ça parle pas beaucoup. Hein. C'est parce qu'elle l'avait vu. Elle avait bien parlé, heureusement, franchement, le résumé, il ne vaut rien dire. Sur le point de perte, la guerre, ça parle de guerre. Le seul truc qui me fait peur, c'est que c'est pas écrit très grand. Voilà. Mais il me tente vraiment bien. Et pour la dernière chose, et ça, c'est pas neuf. C'est mon papa qui me les a prêtés. Ça m'ennuie un peu. Je vais vous montrer le 1 d'abord. Qui est Les Anges. Pour le premier, c'est Oublié. De Tina A. Ian chez Hugo Poche dans la collection Nous Remans. Il a l'air pas mal. Pourrait-elle oublier son passé? Voilà, ils sont beaux. Hein, je me parle de la quatrième de couvre. Je vous montrerai les autres juste après. Après un drame qui s'est bouleversé son existence et celle de sa famille, Mia est contrainte de quitter la charmeuse et Pivokeville, la lumière, le soleil arrive. Sur la côte de Californie, elle débarque sur une petite île paradisiaque. Essaie d'oublier son passé, des douleurs. Elle fait connaître d'un groupe de garçons mystérieux. Elles sont tatouées et mortes. Ils sont une famille, mais ils sont aussi l'ombre d'un tyran et rebouté de tous. Voilà, j'ai l'impression que ma caméra est un peu de travers. Non, vous êtes un peu de travers, je crois. Tant pis. Importée malgré elle, dans son jeu
Malaise, cette amitié, force Mia, pourrait-elle garder la tête hors de l'eau et ne pas se laisser inspirer vers le fond par ce garçon aussi cruel et répugnante? On l'a appelé l'ange. Ils ont décidé de s'entraîner en fer. Voilà pour le premier. Et m'a donné tous les tomes. Il y en a 4. Il y a le tome 2 qui est Aforte. Voilà. Je n'aime pas trop ce garçon. Regardez ça, tout d'un coup, j'ai le soleil. C'est vrai qu'il est 11h. Hein. Le soleil arrive. Pour celui-là, il est Krugurit. Par contre, celui-là, il a morflé. Je sais pas si vous allez voir. Il a vraiment morflé. Et pour le quatrième, qui est Retraite. En fait, Retraite. Elle est belle, la femme. Voilà. Mon père a dit que lui, il les a lus d'une traite parce qu'il les aimait bien. Et que ça se dit assez vite. Oui, il y en a. Ils sont pas fameux, en fait. Ils sont que 3, même pas 300 pages. Du coup. C'est vrai que ça va peut-être se lire en 2-3 jours, quoi, pour moi. Ça sera bien. Sur ce, je vous ai présenté tous les derniers livres que j'ai me suis procuré. Et je pense même que vous avez déjà vu certains de ces livres. Mais j'en suis désolée si vous l'avez déjà vu. Sur ce, n'oubliez pas de mettre plein de pouces, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de me commenter le petit message. J'adore vous lire et vous répondre. Vous, quel livre qui vous tente le plus, si c'est un ou lequel que vous voulez que je lise maintenant, quoi. Enfin, après Campus Drive, quoi. Quel que vous aimeriez bien que je lise. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On se retrouve je ne sais pas quand, mais je vous dis bye bye à tout le monde. Bye bye.